que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Il fait beau, il fait chaud, c'est tout ce qu'on aime. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul AliExpress. Ce haul, ça fait, je crois, 2 semaines que je devais le faire. Mais vous connaissez Ali, hein, il vous envoie un article, un autre article, puis un autre article pour dire que j'avais pas tous les articles. Et donc, maintenant que je les ai tous, je vais pouvoir filmer ce haul. Donc voilà, je suis contente. Bah voilà, laissons place à la vidéo, commençons. Mais on va commencer par les tops. Donc le premier top, c'est celui que j'ai sur moi actuellement. Voilà. Il est super beau. Après, je l'ai mis comme ça parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de le mettre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé plusieurs façons de le mettre. Donc voilà comment il était mis sur le mannequin, sur Ali. Mais moi, j'ai trouvé une autre façon. Enfin, j'ai trouvé, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû le trouver. Mais en gros, je trouve qu'il y a une autre façon aussi de le mettre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez que j'enlève pas le mauvais truc et qu'on ne voit pas mes seins là. Donc, on peut l'attacher aussi comme ça. C'est mignon. Franchement. Dites pas que c'est moche parce que c'est pas moche. Mon idée, elle est super. Donc, abstenez-vous les mauvaises langues. C'est pas trop mignon comme ça aussi. Vous pouvez le mettre comme ça, après vous pouvez le mettre dans l'autre sens que je vous avais montré tout à l'heure. Deux en un, franchement c'est ça, deux en un, c'est un peu comme les produits Garnier en fait. Après je crois qu'il faut mieux le serrer pour qu'on puisse bien avoir la forme là, vous savez. Mais sinon, moi j'aime bien. Passons au prochain top. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce haut je l'ai pris en S. Bref, donc voilà le deuxième top, il est magnifique. Dites le contraire. Dites le contraire. Non, bien sûr que non. C'est ce qu'on appelle une pépite. Ça, c'est juste une pépite, il est magnifique. J'aime beaucoup la couleur et tout. Je trouve que ça donne bien, surtout l'été, ça va... Vous voyez ou pas, les petites couleurs et tout. Là, on est vraiment dans le thème. Donc, j'aime trop. Je trouve ça super mignon et je l'ai pris en taille S, bien évidemment. Par contre, je vous le conseille vraiment pas pour les filles qui ont des gros seins. C'est mort. Franchement, c'est mort. Donc voilà les filles, on passe au prochain top. Et ça aussi, c'est un coup de cœur. Et voilà. Franchement, ce top, pas besoin de dire grand chose sur lui parce que... Il parle déjà en fait. Il parle déjà. Là, il est en train de vous dire, regardez-moi. Regardez-moi. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Rien. À part dire que je l'ai pris en taille S, la couleur est magnifique, il me va à merveille. Franchement, il est grave beau. Il est grave beau, les filles, je vous le conseille pour cet été. Juste hâte, j'attends juste un petit événement cet été. On va dire une petite sortie, un petit resto, peu importe, je vais le sortir. Évidemment, c'est un coup de cœur. Bien évidemment, c'est un coup de cœur. Je crois que c'était tout pour les tops. Du coup, on va passer directement à l'ensemble et à la combinaison. Alors les girls, franchement cet ensemble il est tout simplement magnifique. Mais j'ai un problème avec lui. Je pense que ça s'est vu. Le problème c'est bien ça parce que je n'ai pas de gros seins. Du coup, ça, bah, ça flotte. C'est en manque de seins. Donc voilà. Après, c'est toujours un problème qui peut se résoudre avec une petite pince. On peut l'accrocher là. Et là. Et du coup, le problème sera résolu. Malgré ce petit défaut, franchement, il est magnifique quand même. Il est très élastique. Ça, c'est très très bien. C'est une matière dans laquelle on se sent très très à l'aise. Donc ça, c'est une bonne chose. Franchement, la couleur et tout, ça met vraiment en valeur. Ça met mon teint en valeur. Ça met bah, tout en valeur, en fait. Tout simplement. J'ai pris cet ensemble en taille S. Je l'ai pris. C'est faux. C'était ma soeur qui m'a pris cet ensemble. Je vais pas vous mentir parce qu'on est sur YouTube et que personne le sait, donc ça me permet pas de mentir. C'est ma grande soeur qui me l'a acheté, donc merci à Nikki si elle passe par là. Je sais qu'elle passera par là parce que mes soeurs regardent toutes mes vidéos. Enfin bref, donc voilà. Très joli. Cet ensemble est transparent. Donc pour les filles qui ont la peau noire, mettez une culotte noire comme j'ai fait aujourd'hui. Ou à la limite, mettez un string parce qu'une culotte ça se verrait. Donc voilà. Celles qui sont claires, je crois qu'il faut mettre juste la couleur de... Bah, celles qui sont claires, c'est vrai, je sais pas. Hein. Faut mettre la couleur de sa peau, non?
Je sais pas, mais en tout cas, mettez une couleur qui est assez discrète pour ne pas que ça soit visible parce que l'ensemble est un peu transparent quand même. Donc voilà. Ça, avec des petits Yeezy, ça passerait crème. Vraiment crème. Bref, passons à la combinaison. Voilà les girls pour la combinaison. Je vous laisse juger par vous-même. Elle est trop jolie. Franchement, cette combi, elle est canon. De toute façon, je pense que vous l'avez déjà vu cette combinaison parce que il y en a plus d'une qui l'a commandé. J'aime beaucoup cet effet fermeture. Je trouve ça trop joli. Si t'as froid, tu le remontes. Si t'as chaud, il suffit juste de le baisser. Donc voilà. Elle est canon. Elle est vraiment très très canon. Et elle tient bien au corps. C'est une matière qui est pas très... vous savez, c'est pas les matières qui vous serrent, mais c'est pas les matières non plus qui vous lâchent le corps. Du coup, ça c'est très pratique. Je l'ai pris en noir, mais je crois qu'il n'y avait qu'en noir, je crois. Oui, il n'y avait qu'en noir. Les filles, par contre, pour cette combinaison, je vous conseillerais d'aller la prendre en une taille au-dessus. C'est-à-dire, je vous explique. Moi, je fais du S, mais je l'ai pris en M. Parce que j'ai vu dans les commentaires et tous les filles disaient que ça taillait petit. Donc clairement, moi, je l'ai pris en taille M pour ne pas être surprise et tout. C'est le genre de tenue, on ne se casse pas la tête. C'est-à-dire, vous vous réveillez un matin, il fait beau, il fait chaud, on n'a pas envie de se prendre la tête, on ne sait pas quoi porter. Allez hop, on se prend une combi et l'affaire, elle est réglée. Avec des petites claquettes comme ça, là. Ça fait trop joli. Donc voilà, pour cette combinaison, je vais passer aux robes. Ouais, je vais passer aux robes. Alors les filles, cette robe est tout simplement magnifique. Si vous avez un doute, je vous laisse regarder. C'est superbe. J'aime trop les finitions qu'il y a là. Là aussi. Et en plus, attendez, dans le dos, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, là dans le dos, c'est toujours d'habitude c'est en carré ou c'est en rond, et là c'est en V, donc j'aime beaucoup. Pique, attendez, je vais reculer un tout petit peu pour vous montrer la longueur. Tout. Clairement, les filles, c'est le genre de robe à mettre quand c'est une petite soirée entre nous. Clairement, on peut bien bouger dedans. Sérieusement, je vous assure que c'était un coup de cœur quand je l'ai vu, et les couleurs et tout. Je trouve que les couleurs, elles sont magnifiques, elles sont bien, et en plus ça passe vraiment sur tout type de peau. J'ai pris en taille S, je sais pas si je l'ai déjà dit. Après, passons à la robe suivante. Et bah la mariée en bleu, hein. Ah, une robe vraiment. Voilà les filles, ça c'est le dernier article. C'est une robe qui est tout simplement, sans parler, elle vous parle déjà. C'est un peu comme le bustier rose de tout à l'heure. Cette robe parle d'elle-même. J'ai besoin de ne rien faire, je n'ai besoin que de la porter. Et elle parlera au monde entier et elle expliquera tout ce qu'elle a à dire. Cette robe, elle est tout simplement magnifique. C'est-à-dire que, il y a des articles, quand tu les vois, tu sais que... Pépite! Elle est trop jolie, je recule un peu pour vous montrer. Voilà, la couleur est belle, tout est joli, et j'aime beaucoup ce mélange de couleurs entre le orange, le bleu foncé, le blanc, le bleu clair, je trouve que c'est vraiment un beau mélange. Les filles, franchement, je vous conseille, mais vraiment à 1000% cette robe. J'aime beaucoup aussi, vous savez, le col, le fait que c'est comme ça, je trouve ça bien parce que ça évite après qu'on puisse rajouter un bijou et tout. Donc c'est très très bien. Et moi je l'ai pris en taille S. Donc voilà les filles, cette robe était le dernier article de ce haul. Je suis super contente de vous l'avoir tourné. J'espère que ce haul vous plaira et que vous allez prendre plaisir à le regarder. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel article est votre préféré. Personnellement, je ne pourrais pas dire que j'en ai un parce que franchement, je les aime tous. Mais si je dois donner une petite idée, franchement, je crois que j'en ai vraiment deux où c'est vraiment mes deux coups de cœur. C'est cette robe bleue déjà pour commencer. Et aussi le bustier rose parce qu'il était magnifique. Donc voilà. Franchement, je crois que depuis que j'ai commencé ma chaîne, c'est vraiment la vidéo où je me suis le plus amusée. Je crois, je sais pas si c'est parce que c'est des vêtements ou je sais pas. Mais en tout cas, je me suis sentie dans mon élément. Donc, c'est une bonne chose.
et j'espère que ça pourra se voir à la caméra. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo les filles.